La femme à l'honneur en cette décennie qui lui est dédiée, occasion pour la plateforme Ekamba d'organiser une rencontre sur le thème accouchement sans risque. Et bien, c'était à l'occasion de son 10e anniversaire. Le point avec Pauline Siongo. Donner la vie, une étape spéciale pour toute femme, car beaucoup d'entre elles laissent souvent la leur. Pour espérer voir la courbe baisser, elle s'engage aujourd'hui plus qu'avant à lutter contre cette problématique. 2018, accouchement sans risque. Thème retenu cette année par les femmes d'Ekamba, plateforme qui prend en compte les droits fondamentaux des femmes. Une situation préoccupante dans la mesure où les comités nationaux d'experts estiment de façon unanime que plus de la moitié de ces femmes auraient pu être sauvées. Très souvent victimes d'hypertension artérielle, d'embolie, d'accidents obstétricaux, de césariennes non justifiées, des femmes ont perdu la vie au moment de la donnée. Identifier les difficultés qui sont les siennes, les femmes rurales et celles des grandes villes devront mutualiser leurs efforts pour converger vers un idéal de vie. Il s'agit pour nous de mener des actions en faveur d'une meilleure connaissance et une appropriation de ces risques, d'accélérer les futures mamans à une bonne évaluation du futur risque, du facteur risque, de les emmener à réduire le temps de réaction face à ces risques et militer auprès des pouvoirs publics à optimiser l'offre de soins. Rencontrer donc une ONG qui milite un tout petit peu pour essayer de libérer les femmes de cette contrainte, c'est une bonne chose. Ça cadre parfaitement avec les objectifs du gouvernement. C'est un type d'organisation relativement dynamique sur le terrain. Ils sont présents à divers niveaux de l'action sociétale. 291 femmes meurent chaque année des suites d'un accouchement. 3300 femmes dans le monde selon les statistiques de l'OMS en 2015. Les femmes fondent leurs espoirs sur le gouvernement de la République pour que des mécanismes à même de freiner ce problème soient pris.